Salut à tous et à toutes, nous voilà pour une quête annexe, honorer les victimes dans Horizon Zero Dawn. Et comme c'est une quête annexe et je vois d'autres quêtes annexes à choisir, je les prendrai. Et comme ça, vous verrez le début des quêtes. On achète les pièces de machine au prix le plus juste sous la Messa. Et rien qui va dans les poches de la cour, comme ces rapaces de marchands du dessus. Elle n'est pas là pour parler des taxes. Je sais bien que ça l'intéresse pas. Et comme je disais, t'auras pas mieux pour des lentilles de carapateur. Je te le jure sur ma tête. Par le soleil, je t'interdis de cracher dans ta main. Chasseuse, je m'excuse au nom de mon associé, qui va se taire. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si le soleil voulait bien exaucer mes prières, oublie les lentilles de carapateur, chasseuse. Personne n'en veut plus. Par contre, les lentilles de haute pâte rapporteront un beau pécule. Alors lesquelles... Personne veut de lentilles de carapateur. Un truc aussi solide, ça peut se fixer n'importe où. Mais tu te crois où? Sur un marché de campagne avec des étals en rondin? C'est méridien ici. On a de la culture. Je sais, merci. Encore l'autre jour, je regardais les épreuves de chasse. Oh, glorieux soleil, donne-moi la force. Le soleil t'a cramé le cerveau. Si tu crois qu'on va réussir à écouler des lentilles de haute pâte en ce moment... Je suis là. Pardon? Je te l'ai répété plus souvent que j'ai vu le soleil se lever. Nous sommes plus que des artisans, nous sommes des artistes. C'est pas les artistes qui gagnent les guerres ou éloignent les machines de nos champs. Ce qu'il faut, c'est du solide, du costaud, du simple. Ah oui, du solide, du costaud, du basique. Si un objet commence à être beau, faut le jeter. Si Descarja avait construit cet ascenseur, ils auraient juste fait une jolie plateforme. Des années à ratisser les ruines et jamais tu n'as trouvé le sens de l'humour. Assez. Oh. Ce qui peut être grossier, c'est Nora. Je suis cliente, hein. Vous travaillez ensemble si vous n'êtes jamais d'accord. Oh, c'est juste pour le principe. Pas un seul éclat pour la cour. C'est ce que je dis depuis le début, Ranine. Bon, dites-moi quelle pièce vous voulez. Une lentille de haute pâte. Une lentille de carapateur. D'accord. J'en mets les deux. Je vois que vous êtes occupé. Non, non, attends. Tu l'as fait fuir. Une lentille de carapateur, ok? Moi, je la fais fuir. Oh, je rêve. Écoute, chasseuse, une lentille de haute pâte. On veut votre métal. Ouais. J'ai apporté les deux pièces. Voilà. Alors, on fait affaire? Et si je payais seulement celle des deux qui m'intéressent? Tu prendrais la mauvaise. Alors donne-lui donc ces éclats pour les deux. Bien sûr, et voilà, puisque c'est le prix qu'il faut payer. Le prix qu'il faut payer? La lentille de carapateur couvrira peut-être ce qu'on perd avec l'autre. Elle se vendra grassement, espèce de rustre. Tu n'hésiterais pas à mettre la main à la poche pour ça, si tu avais de l'imagination. Mais j'ai de l'imagination. Quand je te regarde traîner ce truc inutile, je me vois te fendre le crâne. Bon ben voilà, ça c'est une quête rondement menée. Voilà, c'était rapide. Bon, nous allons accepter du coup l'autre quête. On va voir si ça, espérons que ce soit aussi rapide, même si j'ai un gros doute. Non, mais comment je peux me coincer dans un endroit comme ça? C'est pas possible. Hey, salut. J'ai dit salut. Ce qui est arrivé à ta famille. Je peux peut-être t'aider. Par le soleil, j'ai peur qu'ils soient déjà tous morts. J'ai failli y rester aussi. Des machines sournoises ont attaqué notre domaine. Mon père m'a envoyé chercher de l'aide. Quel genre de machine? D'où est-ce qu'elle venait? Un ravageur. Par le soleil, il a mis ses gardes en pièces. Une horde de veilleurs l'accompagnait. Le roi Soleil a averti qu'il ne pouvait plus protéger les propriétés de l'autre côté de la vallée. Mais mon père ne s'attendait pas à ça. Tu m'étonnes, on s'attend jamais à ça. Parle-moi de ce domaine. Mon père possède une dizaine de carrières. Il rapporte ce qu'il trouve au domaine. Des tapisseries, des œuvres en bois, des objets en argent. Je parlais des gens qui y vivent. C'est vrai. Leur vie passe avant tout le reste.
Mon père et ma sœur, et une dizaine de gardes et de domestiques. J'espère qu'ils ont survécu. Ouais, je sens que... Ouais, tu vois, tu penses à l'argent. Je vais voir si je peux faire quelque chose. Vraiment ? Merci. Je t'en prie, sois prudente. Ces machines sont redoutables. T'inquiète, je suis pas pur, je suis pas pur. Bon, sinon, on va regarder sur la carte s'il n'y a pas un endroit. Ça y est, pas l'air d'avoir de feu de camp, ben, c'est proche. Donc, bon, ben. Je peux pas. C'était prévisible. Oh, pourquoi je me coince dans un endroit pas possible? Hey, salut! Ça m'a l'air plus proche là-bas. Courons, 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 courons. Youhou! Là, là, il n'a pas le temps de se reposer avec tous ces gens qui ont besoin d'aide. Ah, de la médecine, de la médecine. Ça de la médecine. Encore, encore, encore. Oh non, bon, ça si tu veux. Hein. Bon, ici, qu'est-ce qui va se passer? Je me souviens bien. Pourquoi ça m'éloigne? Fous-moi. Hop. Bon, bah, on fera le deuxième petit point. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu m'aideras, petit. C'est ici que Lutaru voulait faire ses adieux. Un carapateur. Tu as bougé tes fesses, un petit carapateur. Allez, avance, wesh. J'ai pas confiance. Allons-y doucement, doucement. Est-ce que je peux pirater? Attends dans l'eau. Non. Je peux prendre la route. Aïe aïe aïe, je suis farnac. Oh mon mon. Wouhou. Hop, disparition de sa vue. Je vais faire profil bas. Sa glace se bouge. Moi genre wesh, arrête. Mais non, mais non, mais non, tu m'auras pas. Ah, tu peux toujours rêver. Normalement je peux le pirater normalement. Ouais, tu m'auras pas. Oh.
Il y a mon collègue Carapateur. J'arrive, copain. Comment elle l'a démonté? Non, le deuxième. Est-ce qu'on fait bien quoi déjà? Désolé mon grand, je vais garder. Mais bon, pas trop le choix. Et hop, oh genre. C'est un rat de tête, tu vois. Et voilà, ça c'est fait. Voilà, ensuite de ce côté, on va faire ça. Et voilà, voilà, ça c'est fini. C'est pas grave, au-dessus des branches, non? Mais pour la chasse, mais pas pour un peu au-dessus des branches. Quand on a pris la fuite à la libération, j'ai couru dans cette clairière, sûr que mon ami me suivait. J'ai continué. Mais pas elle, malheureusement. Merci de m'avoir permis de revenir ici. Sans vouloir te presser, le danger reviendra vite. Je comprends. J'ai déjà vécu ça dans mes rêves. Dans l'eau, je trouverai le bracelet de graines tombé dans sa chute. Les graines seront là, ouvertes, sauvages. Elle s'échappe de mon esprit jusqu'à la jungle. Je lui dirai que c'est moi qui suis morte, que je ne suis plus qu'une étrangère chez nous, et qu'elle vit encore à chacune des semailles, des pluies, des récoltes et... Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Là ! Son bracelet ! Et... Je croyais qu'elle était derrière moi. Mais ce n'était que mon reflet. Tu veux rester seule? Pour la première fois, je le suis. Ouais. D'accord. Bon, on va continuer du coup. Allons-y, let's go. On peut partir pour... L'un des deux. Par contre, celui-là, tu es un peu loin, là. On va prendre la tête, hop, de potion. Ah ouais, je crois que c'était du soin, je suis en acte. Non, Georges, j'ai raté. Voilà. 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 Je vais leur faire des kits de... Ah, là, c'est du soin. Je garde ça pour la route. Voilà, ça, je suis full. Voilà, c'est pour longtemps. Vous
le Banouk veut peindre sa fresque. Voilà, hop. Oh, c'est quoi ce bruit? Il y a forcément des monstres. Je m'en doutais. Il faut que ce soit des étincelles. Oh là là. Je déteste ces piafs. Je fais ça dans Pirater 1. S'il ne me voit pas. Où je peux apprendre à te pirater? Bon, apparemment. Bon, apparemment, j'ai compris, je peux pas le pirate. Ça, c'était fixé, calé. Aide-moi! Oh, pas encore. Voilà, ça a été fait. Genre, je l'ai raté. C'est ça, casse-toi la gueule. Je te finis. Yo, 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 c'est quoi ce bug? Je crois que je suis coincé dans le mur. Effectivement, je suis coincé dans le mur. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, vive les bugs. C'était sympa. Voilà, comme je dis, j'ai vraiment la poisse. Non, mais je suis là, vas-y, tue-moi, s'il te plaît. Bon, tu te dépêches. Voilà. Voilà, dans un mur. Voilà, c'est la magie du bêta testeur. Oh la poisse. La poisse. Ça prouve que The Bug, ce jeu, a des bugs. Je suis un petit poissard. Le troisième. Un, deux. Ah, ici. Mais non, pas ça.
toi c'est presque mort, c'est toi. Voilà, ça c'est fait. Non, 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 tu vas où? Oh, tant pis. Tant que moi, voir, tu te fais, tu te fais arnaque. Et voilà. Merci, merci pour tout. Tu es là, toi? Moi, je galère à monter à tuer des gens et toi, tu es en deux secondes. Normal. Tu es meilleure chasseuse que moi. Ah bah ça. Je vais peindre tant que l'esprit des étincelles rôde. Ne t'inquiète pas, il en arrivera d'autres. Oui. Il y aura toujours d'autres machines. Leur esprit trouvera de nouveaux corps. Mais notre vie ne dure que le temps du souvenir. C'est pourquoi je dois peindre l'histoire. Un monument en hommage à nos chamans. À la sagesse que les Karja nous ont pris. L'huile de ma peinture la préservera. Elle garde leurs souvenirs et tout ce qu'on leur a arraché. Je vois, je vois. Je te remercie, chasseuse. Bah de rien. On va aller voir le dernier. Il se passe là. Donc quand ici. Voilà. Ah, ça chargement, chargement, toujours chargement, encore un chargement. Voilà, c'est parti. Ouais, je crois que j'étais encore coincé. C'est bon, pas deux fois. Voilà, voilà. Ça ne cache pas. Ici, nous allons faire donc le tour sur moi. Hop. Bon, on va passer par là. En vrai. La petite monture. D'accord. C'est juste là. Alors t'as plus vu t'appuyer. Ça doit être l'hôtel des rois dont Norman m'a parlé. Salut. Tu ne pourras pas entrer. Ce vieux pruneau ridé te laissera pas faire. T'inquiète, je vais l'arrêter. Je sais me montrer persuasive. Mais pourquoi un Océram voudrait approcher d'un hôtel Karja? Il me rappelle quelqu'un parti depuis 2 ans. Mais qu'est-ce qu'une fille comme toi connaît du deuil? Crois-moi. J'aimais quelqu'un. Il construisait des monuments pour le roi bâtard. Et puis, il leur a fait un spectacle dans leur fosse pour finir en beauté.
Les Karja m'ont rendu ces os brisés, mais... à quoi bon? Ils ne construiront plus. Ils ne me feront plus sourire. Mais voir une statue du Roi Soleil dément, oui? Je veux retrouver son travail. Les marques gravées par ses mains. Tous ces métaux qu'il a forgés. C'est son âme, tout ça. Mais ce vieux prêtre fripé ne me laisse pas approcher. Je verrai ce que je peux faire. T'inquiète. Je vais le dérider et le défriper. Chaque fois que je m'approche de la statue, il me crie. Les esclaves au Séram l'ont bâti. On mérite de la regarder. Hey! Bon, petite. Jamin le soumis cherche la solitude dans sa retraite. Si tu veux être seul, va voir ailleurs. Des gens veulent prier ici. Des païens, tu veux dire? Une nouvelle dégradation de ce qui jadis était pur. Vraiment, notre tribu a perdu la lumière. Le roi ne vaut rien, le temple est corrompu, et nos soldats, faibles. Le soleil se presse d'aller cacher sa honte au couchant. Ouais, d'accord. Les Karja sont devenus impurs, qu'est-ce que ça veut dire? Meridian n'est-elle pas destinée à ceux qui l'ont fondée et enrichie? Elle était pure avant que des étrangers impies l'envahissent. Tu veux dire qu'elle était pure quand les étrangers étaient en cage ou morts dans votre arène? Le soleil est pur, petite. Nous n'avons pas à remettre sa divine volonté en cause. Nous devons juste l'accomplir. Mais t'es cinglé, n'abuse pas. Et le couronnement d'Avad n'était pas la volonté du soleil. L'enfant a déshonoré son père. Son père et nous tous. Tu es un roi soleil. Toute l'ombre, le crépuscule qu'il a projeté sur nous. Et combien d'autres personnes le roi soleil démon aurait tué sans l'intervention d'Avad? Le soleil réclamait du sang. Nous n'avions d'autre choix que d'obéir. Ouais, ouais. Tu dis que le temple était corrompu. Mais tu n'es pas l'un de ces prêtres? Ils se donnent le titre de prêtre du soleil, mais ils n'ont aucune autorité. Des enfants et des flagorneurs, c'est tout. Tandis que ceux qui ont passé leur vie au service du soleil sont méprisés et ignorés. Alors c'est seulement ça? Un caprice? Vous voulez qu'on vous regarde? Tu ne connais rien de nos rites, et tu oses venir m'insulter? Oh, mais je vais te défoncer. Pourquoi tu dis que votre armée est faible? Parce que vous n'êtes pas en guerre avec tout le monde? Un trône Karja qui dépend de vulgaires mercenaires tirés de forges, c'est ridicule. Cette prétendue libération n'était rien d'autre qu'une purge. Nos plus grands guerriers, expulsés de la ville, exilés à Brunante et dans l'Ouest prohibé. Notre tribu est déchirée. Ceux qui avançaient dans la lumière sont aujourd'hui dans l'ombre. Et bizarrement, tout le monde s'en réjouit, sauf toi. Oui, qui est méchant, il est bizarre. Je t'ai assez écouté. Reste ou va-t'en, mais je ne te laisserai pas repousser les pèlerins. Je suis ici car le soleil le veut. Si tu refuses le changement, accepte celui des autres. Ton amertume t'a empoisonné. Je n'ai que faire de ta pitié. Je ne te l'offre pas. Mais si tu t'écartes, tu garderas ta fierté, puisqu'elle compte tellement pour toi. Le jugement viendra. Et tu t'enfuiras loin. On peut bien râler en voyant le jour se lever. Ça viendra quand même. Hé, hé, hé. Viens là, tu veux où? Va me parler, je vais me parler. Toi avant le soleil, et personne ne pourra te tromper. Ah. Il leur a offert l'œuvre de toute sa vie. Et regarde-la. Ils l'ont défigurée à cause de ce qu'elle représente. Ils ont défiguré une œuvre pour laquelle des esclaves ont donné leur vie. Des esclaves déjà oubliés. Ils sont complètement aveugles, tous. S'ils pensaient que leur soleil se couchait derrière ce pont, ils sauteraient. Merci de m'avoir entendu. Je te souhaite de trouver la paix. Ah. Je ne saurais même pas quoi en faire. Ou pas plus que les Karja. Ah là 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 là. C'est énorme, ouais.
Bon bah on est parti. On va se re-TP parce que c'est d'un méridien. Désolé, hop. Hop là. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tan, 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 tan. Bon, je dois passer son par là, si je me souviens bien. Voilà, par ici. Voilà, c'est ça. Par ici. Et après, je vais aller voir les pavillons là. Voir ce que ça donne. What? Ah non, je croyais que c'était là. Vous êtes de retour au temple? En effet, on m'y a invité. Les prêtres ont demandé à m'entendre au sujet de la réconciliation avec les autres tribus. Ils écoutent. Enfin, ils commencent à écouter. La distance est longue entre les oreilles et les actes. Grâce à ce qu'on a fait? Grâce à toi. C'était pour les pèlerins. Je crois qu'ils vont mieux. C'est toi qui les as guidés sur la voie. Nul ne sait ce qu'il adviendra. C'est là le lot des prêtres. Je vois ça. La tunique rouge tirait bien. J'en doute. Et puis, votre temple n'accepte pas les femmes. Elle nous enrichirait pourtant. Avance dans la lumière. Laisse le soleil éclairer ton chemin. Merci, Naman. Là où je vais, j'aurai besoin de toute la lumière possible. Hey, c'est fini, fini. Nous allons donc partir directement. Hein? Ah ouais, c'est une nouvelle quête celle-là. Hop, bon, comme je sais où c'est, on va pas suivre. C'est ici. Je dois donc. Attends, c'est d'autres sûrement dans une zone de chasse. J'ai tout, ouais, ça c'est bon. Tâche. Partie de chasse. Bah voilà. C'est ici. Allons voir. Hey, salut. La dompteuse de machine nous honore de sa présence. Tu es une Nora, n'est-ce pas? Une guerrière des terres sauvages. Des terres sacrées, mais oui. Je me suis battue toute ma vie. Dis-moi, les Nora ont-ils pour habitude d'entrer chez les gens et d'y faire ce qui leur plaît? Bien sûr que non. C'est pourtant ce que tu fais à cet instant. Tu t'incrustes chez nous et tu ennuies ceux qui te surpassent. Tu es loin de me surpasser. Ligan m'a dit qu'il fallait te parler pour devenir membre. Ça serait vrai si tu avais une quelconque chance de rejoindre ce pavillon, mais tu es une sauvage. Et jamais une sauvage ne rejoindra les rangs du pavillon des chasseurs tant que j'en serai le faucon soleil. Va-t'en. Non. On m'a expliqué que vous aviez des lois. Si elles ne sont pas respectées, alors ta fonction n'existe même pas. Alors arrête un peu et dis-moi. Est-ce qu'il y a un faucon qui pourrait me parrainer? Très bien. Talana est libre. Voilà qui serait amusant. Une punaise parrainant un parasite. Maintenant hors de ma vue. Ça va, tu te la pètes pas trop, toi. Bon, ça j'avoue, c'est classe. Mais tu te la pètes quand même beaucoup, hein, quoi. Espèce de fou. Ah, c'est toi. C'est toi, Talana? Aziz m'a dit que tu étais un faucon sans oisillon à parrainer.
Tu vas m'envoyer balader toi aussi? Pas grave, j'ai connu pire. Je te crois. Mais tu te trompes. C'est grave. Et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? L'un des nôtres est mort en affrontant Rougemort. C'est le plus dangereux des gueules d'orage. Il détruit les arbres, les rochers, les gens. Je suis désolée de l'apprendre. On connaît les risques. Tu m'étonnes. Et Aziz, parle-moi un peu de lui. Le faucon soleil du pavillon. Le plus haut placé des raclus. Des membres. Il a abattu des ravageurs, des traqueurs, des mastodontes. Et alors? Moi aussi j'ai tué plein de machines. Tout comme moi. Y compris deux oiseaux tempêtes. Mais il a apporté ses trophées le premier. Ça marche comme ça. Le premier faucon qui bat la machine la plus puissante devient faucon soleil. Ouais. D'accord, ça veut dire que je pourrais devenir faucon soleil. Comment on devient un faucon? Quand un faucon meurt, sa griffe prend automatiquement sa place. Et les autres doivent l'accepter. Ah, j'ai pas vu que tu meurs, moi. Et sinon, vous chassez pour de vrai, des fois? Ou alors vous faites que parler? Oui, bien entendu. Tu abats une machine et tu apportes le trophée au faucon soleil Aziz. Comme ça, tout le monde reconnaît ton exploit. Ouais. C'est ce Ligan à la porte. Ligan? C'est un faucon. C'était un excellent chasseur, mais il a complètement arrêté. Il aide le pavillon à sa façon. Pas comme les autres faucons qui rapportent les meilleurs trophées et ensuite courent se saouler. Je vois. Et si mais non chassez... Désolé. Je voilà. Chasser. Explique-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu veux les humilier pour t'avoir prise de haut? Alors affronte-les sur leur territoire. Abat 3 dents de 6, 2 ravageurs et un traqueur. Ensuite apporte les trophées à Aziz. Ça les remettra à leur place. Si je réussis, tu me parraineras? Peut-être bien. Pour faire enrager Aziz. Si j'ai déjà tout. Bon, apparemment, non, je n'ai pas tout. Un traqueur. Pouah. Bon, ben voilà, j'ai commencé à avancer, mais je ferai ça plus tard. Ben, nous allons vous laisser là pour aujourd'hui, pour cette quête et vidéo annexe. On se dit pour une prochaine fois, pour une autre vidéo. Au revoir à tous et à toutes.